Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead's Door, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, allez. Vers le manoir de la sorcière des yeux. Il faut une clé pour ouvrir cette porte. Elle serait très ancienne et rouillée. Excellent. Thank you.
J'ai mangé des framboises. Ça, j'ai pris un peu plus de temps. J'étais me passer une soie dentaire puis me brosser les dents. J'avais des graines partout. Je savais. J'ai vu ça ailleurs, mais je ne l'ai pas fait. Faites brûler. Fais brûler tes armes et répands la joie. Le domaine de la sorcière. Flèche où j'attends. J'ai choisi au hasard la plupart du temps. Là. Ben, je regarde les cinématiques, là. Les trailers en français, on dit ça comment, les. Ils sont sur le Xbox Game Pass, hein? Bonne annonce, merci. Je sais pas à quoi ça sert les affaires blancs. Mais... Ah, c'est peut-être les flèches. Ah, c'est ça que c'est. Bon. Fait logiquement, si je tire toutes mes flèches, j'en ai plus. Mais si je frappe là-dessus, ah, et là j'ai une flèche. Ah, c'est ça que c'est. Bon. On a appris de quoi? Vers le manoir de la sorcière des urnes. Non. Ah ben oui. J'avoue qu'il y a des belles découvertes sur le Game Pass. Non, ici c'est le début. Salle des portes. Et lui, il vend des attributs. On va améliorer notre agilité. Bonjour ami à face de bec. C'est plutôt rare de voir un faucheur par ici. J'imagine que tu viens quérir une âme. Pas la mienne, j'espère. Mais trêve de bavardage, oiseau, je crois que nos chemins se sont croisés au moment opportun. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je suis victime d'une terrible malédiction. Ah, pauvre de moi. Ne me juge pas sur la forme de ma tête, mais je
sur le succulent potage qu'elle contient. Aux marmites. J'en oublie des bonnes manières, ravi de te faire ma connaissance, face de bec. Je crois bien que mon périple s'achève dans une impasse. Je n'ai pas pu surmonter les obstacles et ouvrir les portails de fer. Si tu m'aides à avancer, j'aurai une dette envers toi et nous pourrions continuer ensemble. Nous devrions surmonter mes obstacles face de bec. Pour une raison qui m'échappe, il y a un mystérieux entre les portails fermés et les lanternes éteintes alentour. Ça, je sais pas comment on va les chercher encore. Ah ah, ok. Ah, moins que... Non. Jardin de la paix. Tu m'impressionnes. À présent, à toi d'allumer le deuxième chandelier, la deuxième lanterne. Ça ici, quand tu pognes des graines, tu les mets dans la plante,
Et là, tu peux consommer la plante et je suis rempli en énergie à nouveau. Oh. Ah, ça passe pas à travers. Excellent. Le jeu est très japonisé. Ah ouais? J'étais agréablement surpris, on pourrait dire. Je l'avais regardé, les vidéos, puis j'étais pas vraiment intéressé. Puis j'ai pensé, essaye-les. Puis je l'ai essayé, puis j'étais, ah, j'aime ça. Jardin de la joie. Ça, c'est une graine pour mettre dans les pots de fleurs. Et voilà le deuxième chandelier. Voilà, nous pouvons nous aventurer plus loin, cher acolyte de ta plume. Merci d'abord, accordons-nous un moment de répit. Viens, asseyons-nous un instant. Comme je t'ai dit lors de notre rencontre, je n'ai pas toujours eu cette tête de soupière. Cette étrange malédiction est l'œuvre de la sorcière malfaisante qui vit dans le manoir au-delà de ses somptueux jardins. Je présume que tu es là pour elle, n'est-ce pas? Son âme doit assurément être mûre à point et être prête à récolter après une vie anormalement longue. J'aspire de tout cœur à rencontrer cette maigre. J'exigerai qu'elle fasse disparaître cette caboche en poterie que... et me rende ma beauté d'antan. J'avais plutôt fière allure, figure-toi. Un peu de soupe. Fort bien, alors, allons de l'avant. Putain.
What? Je pensais que j'étais mort d'un coup. Et toi, tu jouais à quoi dernièrement? Tu me disais... Oh, Colin. Ah oui, c'est vrai. Tombeau familial. T'avances bien dedans? Jardin de l'amour. Une espèce de boss, là. Tu fais quoi comme travail, déjà? Oh, l'ami! Je ferai une belle statue, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu! Nice. Ok, amateur de viande. Vous y voilà. Ces édifices peuvent sembler anodins pour ne pas dire inoffensifs. Eh bien, détrempe-toi. Reste sur le qui-vive. Mille dangers nous guettent à l'intérieur. À présent, plonge dans le gouffre de l'aventure et dans le ventre de la bête. Ensemble? Je viens de vérifier quelque chose avant. Ah, merde.
J'ai mis une graine, mais ça, dans quelque part. Elle est là. Tu es mort. Bon. Oui. Je vais aller tuer quelques monstres en bas pour être sur mes chemins pour être sûr de ne pas me faire toucher. Ben là, tabarnak! Ça commence mal. Très mal. Très très mal. Bon, on ira pas là tout de suite, je pense. On va attendre. Je suis sûr que je pourrais le battre, mais c'est qu'on est trop loin, je trouve, là. Je pourrais avoir une porte un peu plus près. J'ai jamais joué à Dark Souls. Ah, mais il est pas si loin de ça. Il est juste là, ok. C'est moi qui ai pris une tangente un peu trop loin tantôt.
Tu frappes. Tu sautes trois fois, tu frappes. Tu sautes trois fois, tu frappes. Ah, c'est je l'ai tué en même temps. Il m'a tué, mais je l'ai tué en même temps. C'est pour ça que j'ai vu la cage s'ouvrir. Yeah, finalement. Jardin de la vie. Merci. Hey, à la prochaine, Zéo. Merci d'avoir passé. Ça fait plaisir. Le caribou.
Ah non. Trop mince. Trouver la dague sauvage. Les lames peuvent blesser rapidement un adversaire et entraîner la mort par des milliers d'entre elles. Tu peux t'en équiper dans les armes du menu. On est devant, moi je vais pas. Je garde la porte.
chercheurs vivants. Je vais manger des arbres. Il faut une clé pour ouvrir cette porte. Prends les devants, moi je garde la porte. C'est là. Ah, il y a une clé là. Ah, descend. Thank you.
Ah, j'ai pas vu celui-là. Yes. Je crois qu'on nous a abandonnés ici. Personne ne viendra ouvrir la porte. Sur 4. Bonjour, très cher, je suis étonné de voir un corbeau ici. La sorcière des urnes, notre marché serait-il rompu? Que vient faire un bel oiseau comme toi dans mon humble demeure? Cette porte n'est pas à sa place, elle semble venir d'un autre monde. Elle te ressemble un peu, face de bec, mais elle est un poil plus imposante.
C'est bien. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Dead Store Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!